سيدي طورتنا جابت أبطال. ما راح نسلم على بعضي خمس سنين ما عطبتش باب داري، واش تقول لمرا لو؟ اشتكيت هذيك الليلة كي طلعت للجبل جونا العسكر وجبونا في وسط الفيلاج. وراي يا سيدي صبرتي وراي. Je crois que j'aimerais arriver à effectivement que le film rende un moment de ce pays, de cette société, où la vie avait un sens. Où on n'était pas dans l'austérité, on n'était pas dans l'obscurité totale, en attendant la mort. Où la vie avait un sens. Où les gens s'amusaient, même si c'était pas d'accord avec les uns et les autres, mais les gens vivaient, quoi. À l'avenir. Le scénario, je l'ai écrit sur des, sur des souvenirs, des souvenirs de quand j'étais gosse, des problématiques que aujourd'hui j'analyse comme ayant été celles de mon père quand j'étais gosse, dans certains souvenirs que j'ai de lui ou des choses comme ça. Et puis de l'environnement dans lequel j'ai grandi, avec les copains autour, toujours cette ambivalence dans les cultures, Algérie, France, que des Algériens mais qui parlent tous français. Donc oui, il est possible que ça ait mis du temps à coucher pour ces raisons-là, et que même il y ait des moments où sur le plateau il y a des choses qui me contrarient à tel point que j'en perds un peu l'équilibre de temps en temps. Je sais pas si ça me rassure ou si ça me fait plaisir, peut-être un peu des deux, c'est que je pense que je suis pas le seul. Je pense que, alors peut-être pas chez tous, mais j'ai vu chez certains autres acteurs que ça les... qu'il y avait des choses qui faisaient écho très fort en eux. Et voilà, ça, je trouve ça bien. On pouvait changer le monde, toi et moi. Comme on a qu'à rien, qu'on a même vu là, qu'on a qu'à rien.